Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc voici donc une nouvelle cantine que nous allons interpréter et dans laquelle un son se répète plusieurs fois. Un son que nous allons découvrir dans cette euh, cantine. Donc ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien. Euh, Essayez de trouver ce son. Ma maison est un palais de craie, caché dans la forêt, disait le jet de la falaise. Ma maison est un balai, dit la poussière au hérisson. Moi, Ma maison, elle est dans l'air, dit la chanson. On répète. Ma maison est un palais de craie, caché dans la forêt, disait le jet de la falaise. Ma maison est un balai, dit la poussière au hérisson. Moi, Ma maison, elle est dans l'air, dit la chanson. Alors c'est le son et c'est le son et donc on le désigne avec ce symbole dans la transcription phonétique. C'est donc les deux graphies du son et le son est nous avons déjà vu euh, dans une première partie le son et qui s'écrit. E accent circonflexe comme dans le mot tête, E accent grave comme dans le mot vipère et ET comme dans le mot poulet. Alors vous vous rappelez cette page C'est la page 31, le livret d'activité ou le, dans le manuel, le livre de lecture. Donc, e, accent grave, E T et e, accent circonflexe. Et vous avez, vous avez des exemples. Donc, vous n'avez qu'à y retourner pour. Euh, donc, c'est euh, le même son. C'est le son et Regardez, on le désigne avec le même symbole euh, dans la transcription phonétique, dans l'alphabet phonétique. Alors, la rubrique je lis. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons voir ces deux graphies, AI et EI. Alors, la maîtresse, donc on entend E, il s'écrit AI. 13, on entend E, il s'écrit E I. 16. 16. Un balai. Oui. J'entoure, 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 j'entoure. La fumée. La peine. Alors, si vous prononcez les deux mots, et que vous faites attention à, à l'appareil fondatoire, la bouche, les lèvres, et comment est-ce que la bouche, la bouche s'ouvre plus dans ce et là, la peine, la fumée. Essayez de prononcer les deux mots et vous allez euh, constater cette légère différence dans euh, la prononciation euh, de ces deux mots. Mais là, j'entoure, donc là, je n'entoure pas, là, j'entoure parce que et il y a ce et-là qu'on euh, qu dit dans cette page. Mais, oui, j'entends et, il s'écrit i. j'entoure le nez, le nez. Donc le et ici euh, ne fait pas partie de, de ce son. Parler non plus. Sépare les mots en syllabes comme dans l'exemple, bas les ne ça, c'est l'exemple. Là, vous faites la même chose. Lis les et écris le nombre de syllabes. Donc là, nous avons 1, 2, 3. Trois syllabes. Maison. Combien de syllabes Deux. Alors, je sépare entre le i et le s. Chez-eux. Deux. A-i, là. Entre le i et le s. ne trois ce mais ne trois syllabes ré ne deux syllabes coloris toutes les écritures du même mot avec la même couleur Alors on commence par le mot la fontaine on va chercher toutes les bulles où il y a le mot fontaine le mot fontaine, la fontaine la fontaine. La fontaine. Alors là et là. Donc vous choisissez une couleur et vous coloriez avec la même couleur. Est-ce qu'il y a un autre? Voilà. Ma voilà. fontaine. Je colorie avec la même couleur. Donc il y a trois euh, de chaque. Trois bulles de chaque mot. Alors une baleine maintenant. Une baleine, une baleine, Donc vous prenez une autre couleur, une baleine, oui, voici le troisième mot, une baleine. La semaine, la semaine, la semaine, la semaine, alors vous, vous prenez une autre couleur, la semaine, voici la troisième étiquette, la troisième bulle. Et puis, vous avez une chaise, une chaise une chaise une chaise donc vous coloriez toutes les écritures du même mot la fontaine la fontaine la fontaine une baleine une baleine une baleine la semaine la semaine la semaine une chaise une chaise une chaise une chaise une chaise trois euh, trois euh, formes d'écriture du même mot Lis les phrases et observe. Karim dit excusez-moi maîtresse. Il dit excusez-moi maîtresse. Alors, Karim dit et là on a il dit et nous avons déjà vu que on peut remplacer les noms de garçons comme par exemple ici ou le nom d'une des... personne. De sexe masculin. Karim est, un, euh, est une personne de sexe masculin. Zina est une personne de sexe féminin. Donc, Karim, je peux remplacer par il et Zina, je peux remplacer par elle. Karim dit, il dit. Le seul mot qui change dans les deux phrases, c'est euh, Karim. Hein, on l'a euh, remplacé par il. Et ici, Zina écrit une phrase, elle écrit une phrase. Donc on a remplacé Zina par elle. Alors j'écris. Alors l'écriture, on a déjà vu comment écrire le A. Euh, et on attache le I donc E, euh, E. 13, la chaise. Complète les mots avec E ou E. La semaine, alors là, nous avons vu le mot euh, en haut, la semaine, regardez, a -I. donc j'écris a -I. en écriture du cahier. Le balai, nous avons déjà vu le mot balai, regardez, balai A-I, ah là, c'est la baleine, non, c'est la baleine, c'est la baleine, c'est pas le balai. La baleine. C'est EI. Nous avons déjà vu le mot baleine. Regardez. E-I. 16. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est Tata Racha. 16. EI. Nous avons déjà vu ce mot en haut. 16. Regardez bien. 16. Une une chaise une chaise le mot aussi se trouve dans euh, cette page une chaise regardez une chaise il suffit de chercher une chaise.